oui. Le 21, à 20h. C'est finalement totalement accessoire. Et ce sera certainement beaucoup mieux. Sylvain Joasson, que vous avez peut-être déjà vu dans des projets de qualité, tels que Mendelssohn ou Oiseau Tempête ou Thousand, et qui est toujours le premier sur scène, dernier parti. Stan Cuesta, que vous avez peut-être déjà vu dans des projets tels que Stan Cuesta, Pierre-Yves Louis. Vous avez peut-être déjà vu avec Delson, par exemple. Un petit groupe méconnu. Lou, que vous avez peut-être déjà vu dans Lou. Et puis Éric Jamier, que vous avez peut-être déjà vu dans un groupe, un petit groupe de pop, qui s'appelle Revoke. Pop hardcore. Délicat, très délicat. Et ça tombe bien parce que. Ce soir, on fait vraiment le projet délicat, élégant, à base de classe et de tenue. Donc pas de discours pendant des heures, type d'autres groupes, genre Bruit Noir, des trucs de moindre qualité, de moindre classe, que là on est dans le projet d'exception. Donc voilà, on se tient, on est propre. Et on va vous souhaiter donc bienvenue au petit bain, bienvenue dans l'histoire, et bienvenue dans la postérité. Thank you.
Parfois je me laisse aller avec toi, je me laisse aller. Parfois je me laisse aller avec toi, je baisse la garde. Tu me ferais presque croire. Parfois je me laisse aller avec toi, je me laisse aller. Parfois je me laisse aller avec toi, je baisse la garde. Tu me ferais presque croire. Qu'on peut tout de suite dire que n'y a pas eu mensonge sur la marchandise. On est vraiment dans la tenue, l'élégance, la discrétion, le haïku. Même l'accordage est un moment d'exception. Très important. Ça va, tout ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous êtes grande élégance aussi. Une belle tenue. Je vois
quelques personnes qui parlent, mais je pense que vous allez les exclure de vous-même, hein, avec élégance et tenue, les raccompagner poliment aux toilettes. Et puis, on est mieux aux toilettes pour discuter. C'est toujours un petit peu surpris, moi. Comme les gens qui vont pique-niquer dans les parkings, par exemple. Non, qu'est-ce que... Quand on est au concert pour discuter, c'est bizarre. Mais bon, peut-être on est bien. Et ça, c'est le principal. C'est cadeau. Thank you.
Tout ce que vous dites. On disait Pascal. Pardon? Ah. Non, parce que des fois je sens que je pourrais être participé à la conversation, mais je suis désolé, je suis mal poli parce que je suis obligé de chanter en même temps. Je vais être plus concentré. C'est une très belle chanson. On a dansé ensemble. Thank you.
On va faire une chanson qui s'appelle Simplement vivre, qui n'est pas sur l'album Haïku, puisque c'est une reprise de Jason Molina, Song Zoaya. Oui. Ouais, j'entends bien. Je peux pas te parler là parce que. Bah, parce qu'il y a des gens sur scène là. Tu comprends? Ouais, bah, j'entends bien, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je te dérange pas plus longtemps là. Oh, ok, on fait comme on se rappelle. Super, c'est cool. Ouais. Jason Molina, donc qui a eu une vie assez riche et une fin un peu malheureuse. Bon, mais qui était un gars très chouette. Hein. Et puis donc c'est pas la chanson en question n'est pas sur l'album Haïku qu'on peut pourtant trouver. Au stand merchandising, avec des vinyles de grande, un pressage de haute tenue, très élégant, un grammage de 135 grammes, et une très jolie vendeuse, magnifique, de haute tenue, très élégante aussi, de 135 grammes, un pressage français. Une belle chanson, donc, hein, je crois qu'on peut le dire. Simplement vie,
c'était ton rêve. Je ne dirai rien de plus. Je ne dirai que quelqu'un veut dire quelque chose maintenant. On n'a pas le droit de poser de boisson, quoi ?
les enceintes. Oui, mais c'est à moi, ça. Quelque chose d'autre? Non, c'est pas obligé, hein. C'est moi aussi. C'est vrai que c'est pas mal d'essayer de faire participer le public, mais en même temps, si le public a quelque chose à dire, il serait sur scène. Il faut pas être sympathique tout le temps. Et oui, on va faire encore plein de chansons. Et puis, après, on va laisser la place très tard aux marquises, danser la fête ce soir. Leur release party, leur partie de relâchement. Voilà, une chanson qui s'appelle Loin. Thank you.
Une dernière chanson qui s'appelle La Paix. Et ouais. Je crois qu'on n'a pas le temps. Okay. Une petite chanson et puis après La Paix. Merci beaucoup d'être venu, pour ceux qui sont venus. Un grand non merci à ceux qui ne sont pas venus. On se voit après pour échanger des mots ou des borborimes ou des câlins. Les câlins, c'est plutôt pour Pierre-Yves. Nous, c'est plutôt des verres, tiens, un petit verre de whisky. Free hug avec Pierre-Yves. Avec Pierre-Yves, on va fêter presque nos 20 ans de concert. Ouais, presque, ouais. Merci, Greg. Pas toujours été facile, hein, mais enfin on va pas. 19 ans c'est long hein, pour un couple. Comble la ville. Comble la ville, bien sûr. On va reformer Mendelssohn bientôt, hein, vous inquiétez pas. Il y a un album qui sort le 31 mars, qui s'appelle Science politique. C'est pas une blague. À l'intérieur, il y a un mode d'emploi pour nos amis. Là. Allez. Les choses les plus belles qu'on dit on les dit en chuchotant petites choses
beaucoup, à bientôt. Puis sur une chanson qui s'appelle la paix. Non, c'est la paix. On fait la paix.
Merci beaucoup, à bientôt, merci.